Le système d'exploitation Windows 11 de Microsoft est disponible. Si vous ne voulez pas attendre qu'il vous soit proposé dans Windows Update, suivez ces étapes pour migrer votre PC de Windows 10 vers Windows 11. Pour commencer, vous pouvez vérifier la compatibilité de votre ordinateur avec le contrôle d'intégrité du PC téléchargeable sur le site web Microsoft. Cliquez sur le lien pour un accès direct au site. Téléchargez et installez cette application. Une fois lancée, cliquez sur le bouton « Vérifier maintenant » et vous saurez si votre ordinateur de bureau ou PC portable répond ou non aux exigences définies par Microsoft pour Windows 11. Ensuite, vous pouvez télécharger et créer la clé USB du système d'exploitation Windows 11. Vous pouvez utiliser l'assistant d'installation de Windows 11, mais nous vous conseillons plutôt de créer un support d'installation de Windows 11, comme cela, vous l'aurez si vous en avez besoin dans le futur. Cliquez sur le lien pour un accès direct au site. Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour créer la clé USB de Windows 11. Assurez-vous que vous vous êtes connecté avec le bon compte de Microsoft pour associer la licence et cliquez sur l'application « Setup ». Cliquez sur « Oui ». Puis cliquez sur le bouton « Suivant » pour lancer l'installation. Le processus débute par l'obtention des mises à jour et quelques vérifications. Vous avez ensuite à lire le contrat de licence, puis cliquez sur le bouton « Accepter ». Vous verrez alors le pourcentage d'avancement jusqu'à l'étape suivante. À ce stade, prenez une pause et vérifiez que vos données importantes sont bien aussi sauvegardées en dehors de ce PC, sur un lecteur amovible ou un nuage par exemple. La migration vers Windows 11 édition famille est bien sélectionnée. Le choix de conserver les fichiers personnels et applications l'est aussi. Si vous cliquez sur « Modifier les éléments à conserver », vous verrez que vous pouvez garder vos fichiers et applications, ou juste conserver vos fichiers, ou ne rien garder du tout. Faites votre choix, puis cliquez sur le bouton « Installer ». L'installation va se lancer et le système va redémarrer plusieurs fois. Ne touchez à rien et laissez votre système allumé. Si vous êtes sur batterie, il vaut mieux brancher le PC portable sur le secteur. La migration effectuée, vous arrivez à l'écran de connexion. Saisissez votre code PIN. L'installation se finalise en quelques minutes, et vous arrivez au nouveau bureau de Windows 11. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez contacter nos agents de support technique présents sur Twitter DelvouZ et DelvouZ Pro. N'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur Windows 11 et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour suivre la sortie des prochains tutoriels en français. Merci à toutes et à tous pour le support que vous apportez jour après jour à la production des tutos vidéo francophones de Dell Technologies.